Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 44 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien. Pour ma part les amis, je vais très bien, souvenez-vous de l'épisode précédent, on explorait encore un petit peu plus de la plaine d'obsidienne dans laquelle on avait déjà quand même pas mal exploré l'île les premières fois dans laquelle on y était allé, mais les amis c'était pas suffisant parce que on doit être membre 5 étoiles. Sachant qu'on a encore pas mal de petites tâches qu'on va devoir rendre, vous avez vu, 1550, il nous reste avant d'aller sur le rang supérieur. Donc aujourd'hui, on va tenter de continuer. On n'a pas encore trouvé de Zarbi, ça me fait un petit peu peur parce qu'il y en a énormément à trouver. Donc bon, j'aimerais bien en trouver un petit peu de temps en temps. Là, on va tenter d'attraper d'autres Pokémon en espérant qu'on arrive à attraper quelques petites choses. Sachant que là, j'ai l'impression qu'il est totalement disponible à la capture, voilà. Et du coup, toi aussi. Putain, mais j'ai pété les plombs. Tu rebouges pas. Mais c'est quoi ces Pokémon? Putain. Ah, oh, j'ai failli péter les plombs. Trésor, là. Trésor, machin, chose. Attendez. Dans les T, A, B, C, D, L, M, N, 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 N. Il est où? Il est là. C'est ça? Trésor. Ah oui, c'est ça. Attraper, poids lourd, attraper. Attraper sans qu'il vous repère. Et spécimen vaincu. Donc on en a vaincu deux déjà, mais ouais, bon, c'est... Comment dire? Voilà! Voilà quoi! Mon dieu, quand ça veut pas, bah ça veut pas. Et toi, j'imagine que c'est sans qu'il vous repère, j'imagine... Ouais, bon, bah ça, c'est mort pour lui, c'est simplement mort, donc... Alors, du coup... Non, tu m'as pas vu! J'aimerais bien attraper lui. Allez! Vais-je y arriver à votre avis? En attraper au moins un? Sans qu'il me repère? Ou pas? Bah enfin, bah putain. Je pensais pas ça possible, hein, je vous le dis. Parfait, spécimen d'attraper sans qu'il vous repère. Ok, donc. En même temps, quand j'avance comme ça, ça me permettra de chercher la flamme étrange, mais. Parce que le baron, il est niveau combien ici? À mon avis, il est niveau pété. Oh, peut-être pas, finalement, niveau 30, honnêtement, il est faisable. Monsieur Mime. Vaincu, repère, ouais. C'est quoi, on va tenter. Dis-moi que je t'ai eu. Dis-moi. Ouais, j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, quand ça veut pas, bah ça veut pas. Non, tu m'as pas repéré, c'est où, toi? Hop. Ok. Please. Non, c'est pas ici. Parfait. Là. Oh, galet noir, what the fuck? Thank you. Non, tu m'as pas vu, mais laisse-moi tranquille. En fait, eux, ils sont impossibles à attraper, j'ai l'impression. En fait, peut-être de loin. Peut-être ils sont attrapables de loin et avec une plume ball. Ça serait. Vu que c'est des Pokémon assez. Rapide, et vu que c'est un truc qui... Ouais, en fait, c'est ça. À mon avis, il faut les attraper avec des plume balls. Et le petit... Non, tu m'as pas vu, les chécateurs. Non. Bon, bah, c'est pas grave. Non, pas toi. Fuyons. Bon, on va fuir maintenant. On va aller sur l'île. Ah, par contre, avant d'aller sur l'île... attraper sans qu'il vous repère, ça sera un petit peu cuit, mais... Vous voyez, au moins, tenter de le vaincre. Attraper, vaincu, on va tenter de le battre. Voilà, bon bah toi, tu vas rien comprendre à ce qui va se passer, t'es trop mignon en plus, ça me fait de la peine, mais bon. d'accord, super, si j'aurais su, Pokémon. Ah, super, ah mais non, je peux pas envoyer au combat, évidemment. Bon, là, ça me pète les couilles parce que voilà, ça me pète les couilles, quoi. On a pas de chance. Faudrait vraiment qu'on ait des rappels. Mais il y en a au bivouac. Bon bah vous savez quoi, on va aller au bivouac. Vous savez quoi. Non, on m'attaque pas, j'ai dit. Et sur ses gardes. Bon, tu vas pas être sur des gardes longtemps, je te l'ai dit. Normalement t'es décédé là. T'es presque décédé. J'ai envie... Oh ça va. Oh mon dieu, on se calme. Direct. Ah, j'ai envie de mourir, hein.
Livre à quoi? Ok. The Little Problem. Ah d'accord. Tout ça pour ça. Allez vite. Vivre à quoi? Ok. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais là, go ici. Parce que là, il faut impérativement dormir, se reposer. Et puis voilà, donc on va dormir jusqu'à la nuit tombée, ça m'arrangerait. Pour les flammes étranges, tout simplement. Et voilà. Allez, du coup. Let's go. On va du coup redescendre par là. Hop. Allez, viens. Putain, ça c'est vraiment la vie, hein, qu'on puisse monter maintenant de partout. Oh, alors par contre, ça j'avais pas prévu. Par contre, honnêtement, on aurait dû faire des Pokéballs, non? Attendez, je suis en train de penser, mais... il faudrait peut-être faire des Pokéballs un jour ou l'autre, non? Dans notre vie. Parce que là, le souci, c'est que... si on y va comme ça, on va pas y... Ah merde, si on y va comme ça, on va pas y arriver. Hein. Donc on va en crafter. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. On va en crafter une vingtaine, ça suffira. Merci. Et du coup, voilà, c'est parti. Hop. Monte. Oh, on est vraiment obligé d'utiliser Farfurex. Ok. Hop. Là il y a des musteboués. Oh le baron. Ah je sais, il va vouloir me faire creuser, c'est ça? Normalement c'est vers là, donc voilà. Thank you, chapitre mou. Tout ça pour ça. Hein. Voilà, on va tenter d'attraper ce musteboué à la con. Oh putain, mais d'où tu m'as... Oh mais je vais péter les ponts. C'est vraiment de la merde, hein, je vous le dis. C'est vraiment la merde. Bon. Vite, fuyons. Ah là là, les musteboués à la con, je vous jure, ça me pète les couilles. Est-ce qu'on voyait une flamme étrange? Ce côté-là. Normalement, ça se repère quand même assez bien. Hein. On l'a vu durant l'épisode précédent. Oh, what the fuck, c'est quoi ça? Oh oh, non, c'était pas prévu ça. Hein. Tu sais quoi? On va tenter de les attraper comme ça. Vas-y, casse les couilles là. On a tellement pas de chance. On a tellement aucune chance, c'est incroyable. Dans notre vie, on est tellement pas chanceux. Pas de flamme étrange, hein, je vous le dis. Hop. Non, là, on les aurait vus depuis un petit moment, honnêtement, les flammes étranges. Ça se remarque quand même lointain, hein, les flammes étranges, donc... Hop. Ouais, honnêtement, on les aurait vus de loin, déjà. Putain, le baron est toujours là, par contre. Hein. Là. Thank you. Ah, ça pue du cul cette histoire. On va tenter d'attraper eux là-bas. C'est les échecateurs. Ah, c'est échecateurs, c'est pas évident de les attraper. Parce qu'ils veulent pas se laisser faire. Puis ils dorment. Oh, ils sont endormis. Mais c'est génial ça. Dormez longtemps s'il vous plaît. Restez endormis tranquillement. C'est vert. Merci. J'ai envie de me tabasser les couilles. Vaincu, attrapé. Ben, vous savez quoi? Vous voulez vous la jouer? Eh ben, vous allez vous la jouer. Oh, oh! Il y en a deux, là, non? Ok. Ok. Cortège funèbre, déjà. Il y en a un qui est décédé, normalement. Voilà. Qui est décédé illico presto. Et l'autre, s'il te plaît, ne me défonce pas. Ouais, ça coup critique en plus, donc... faire un petit flamèche si c'est possible de pas le tuer. Ok, comme ça derrière on le capture. Ça fait mal.
Ça fait mal, hein, je vous ai dit, ça faisait très mal. Alors, on va utiliser notre petite Pokéball. Allez, please. One. Two, perfect. Vous avez attrapé le cadabra. Cadabra, machin chose. Thank you. Alors, je suis désolé, mais... Là, ici, c'est tellement trop tentant. Et vous, là. Ok. Poids lourd, apparence différente constatée. Oh putain, alors là, c'était tellement génial. Spécimen attrapé. Tu m'as pas vu, c'est du mytho. Allez, s'il te plaît. Putain, ils veulent pas se laisser faire ces Pokémon. Putain, ils sont récalcitrants, c'est incroyable. Oh putain. Attrapé sans qu'il vous repère, merci. Question, c'est bien gentil, mais vous là. L'espèce russine de la nourriture, ok. Donc là, on va devoir les délink. Donc vous savez quoi, on va les délink. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et maintenant, on va tenter de leur lancer de la nourriture. Donc on va tenter de leur lancer une petite B-truc. Et du coup, là derrière, on va tenter de les attraper un. On a réussi à avoir les deux là. Thank you. Allez, vite, on part. Parfait. Bon, tant mieux. Là, on est en train de gérer. Honnêtement, le Pokédex, il est en train de se remplir de plein de tâches différentes. Par contre, au niveau des gros trucs, voilà, des gros trucs comme ça, je sais pas comment on va y arriver. Ah, mais là, le souci, c'est qu'ils vont me repérer et ils sont retournés vers moi. Alors c'est vrai, une plume ball, honnêtement, ça peut peut-être les calmer. Mais est-ce que, à votre avis, c'est bien? Non, mais regardez, mais what the fuck, il me repère de là! Putain, ça pète les plombs! Qu'est-ce que je fais? Non, mais vraiment! On va tenter une plume ball, hein, écoutez. C'est quoi? C'est assez rapide. J'ai vraiment envie de me tabasser les couilles, hein. Vas-y, c'est bon. Là, le jeu, il veut pas, c'est bon, il me casse pas les couilles, c'est bon. Au bout d'un moment... Oh, une flamme étrange. Quand le jeu te dit, va te faire enculer, ben on va se faire enculer. Vous savez quoi? Bien profondément par le jeu. Quand t'as pas de chat, t'as pas de chat. Il y a du truc ici. Alors, attendez, on va l'attraper, la flamme étrange. C'est tout simplement qui me dirige vers là. Thank you. Ah, le poème. Oh, oh. C'est bien, on avance pour le secondaire en même temps. Vous recevez un vieux poème numéro 17. Donc, à mon avis, il y en a 20, à mon avis. Vieux poème 17, l'un des vieux poèmes que l'on peut déterrer aux quatre coins de Izu. En jugé par la forme des lettres, ces poèmes sont l'œuvre d'un seul et même auteur. Si vous voulez le lire maintenant, oui. Le dieu des moissons et la déesse du printemps dans les cieux de Izu sur l'horizon apportèrent la vie prodige florissant. À la déesse du printemps, j'ai demandé où vas-tu lorsque tu n'es pas ici. Aucune réponse ne me fut donnée, mais je compris que le froid était son ennemi. Ok. Du coup, c'est bien gentil, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pas ici. Numéro 17, du coup. Donc ça, c'est 14, 15, 16 et 17. Voilà, ici. 15, 16, 17. Bon, on se casse. On se casse. Il y a un baron, c'est un baron ça? Oh my god, il y a un baron là-bas. Et du coup, voilà, il reste encore 13 flammes étranges à trouver dans cette zone. Thank you. Ouais, c'est un baron. C'est un baron. D'ailleurs, fait un petit peu peur, mais il y a un baron. Ok. Oh, niveau 65. Alors, juste... Ah, on ne peut pas l'attraper. Même là, ils disent non. Il est déjà vénère de base. Allez, casse-toi. Oh, ok. Elle est où la quête? Elle est là, la quête secondaire, donc on va aller la prendre, vous savez quoi? On va y aller. Alors, qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'elle est blessée. Oh, tu as des Pokémon avec toi? Ça alors, c'est forcément le destin qui nous a amené à notre rencontre. Enfin, à nous rencontrer ici. Cela peut paraître soudain, mais j'ai une requête à te formuler.
Je recherche un Pokémon, son nom m'échappe, mais il a des faux en guise de bras. Des faux en guise de bras. Si tu vois l'objet dans quel. Enfin, si tu vois le duquel Pokémon je parle, tu pourrais me l'amener, s'il te plaît? D'accord. Oui, je savais que tu dirais oui. Hein, tu veux savoir pourquoi j'en ai besoin? On ne te soucie pas de ça. Concentre-toi plutôt sur la capture de ce Pokémon avec des faux en guise de bras. Et ramène-moi le vite, s'il te plaît. Au ras des fleurs, une mission secondaire niveau 51. Des faux? Montrer à Leipzig un Pokémon avec des faux en guise de bras. Non mais jamais, mais je voudrais bien que tu me ramènes un Pokémon avec des faux en guise de bras. Bon bah en fait on l'a pas, hein, donc... Bon, allez, on va pouvoir explorer du coup l'île au sud. Alors. Thank you. J'arrive ou... Il a détecté un truc, je sais pas. Parfait. Ah. Ok, là, il y a d'autres Pokémon. C'est un truc de dingue, c'est que ça ne s'arrête plus. C'est des Meowth qu'il y a là-bas? No way, il y a un Meowth. Ah non, c'est pas un Meowth. C'est un Wistikram, il me semble. Mais c'est dans le Pokémon que nous avons, dans le Pokémon Diamant. Et Diamant. Je crois que c'est notre starter, il me semble, en plus. Non. Il m'a cramé. Sans qu'il vous repère. À mon avis, il m'a cramé, hein, je vous le dis. Voilà. Là, il me crame plus. On va tenter de lui donner la nourriture juste histoire de quoi. En même temps, on doit lui en donner, donc... Mange. Mange. Il est désintéressé par la nourriture. Bon. Et voilà, attrapé. Thank you. Attrapé sans qu'il vous repère. Oh mon dieu, il y a du monde. Oh, mon dieu, il y a du monde. Bon, on va tenter d'aller au sud là. On n'a jamais été. Donc là, on va pouvoir découvrir peut-être de nouveaux Pokémon. Ok. Ok, ok. Allez. Thank you. Oh putain, mais c'est quoi ces Pokémon là? On les a jamais attrapés si? Je sais pas. Par contre, j'arrive pas à le viser, c'est normal. Mais j'arrive pas à le viser. Ah non, si, je crois qu'on l'a déjà attrapé. Mais je sais plus, oh là là. Si, si, on l'avait déjà attrapé. Sans qu'il vous repère, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, d'accord. Non, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu m'as clairement pas vu. Désolé. Je suis désolé. Ah, super. On a tellement pas de chance. Oh, super, on a tellement pas de chance, c'est incroyable. Oh, il y a un baron ici. Il y a un baron là. D'ailleurs, magnifique, hein, je veux pas dire, mais what the fuck quoi. Est-ce que toi, je peux te... Oh, j'aurais pu peut-être t'attraper, mais... Mais bon. Calmons-nous peut-être. Une flamme étrange, yes, on l'a trouvée. Il reste encore 12 flammes étranges à trouver dans cette zone. Ok, bon, bah tant mieux déjà. Aïe 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 aïe, on se fait tellement défoncer par contre. S'il te plaît, tu peux me laisser tranquille. What the fuck? Ah, on peut pas aller plus loin à mon avis, non? On peut pas aller plus loin. Oh, par contre, c'est très violet. C'est très violacé, honnêtement. Ok. Oh, what the fuck? Ici, il y en a tellement plein. Allez, 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 allez. Thank you. Dis-moi que je t'ai eu. Allez. Oui. Putain, on a tellement pas de chance. Attrapez sans qu'il vous repère. Vous savez quoi? On va tenter de le défoncer alors. T'as pas compris? Boum. Allez. On va tenter de l'avoir, hein. Vous savez quoi? Non, 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 mais pas sur tes gardes, voilà. Ah, super. Roue de feu, pas le choix. J'aurais dû même faire un style rapide. Un style. Non, ça va. Un style puissant, je veux dire. Mais non, ça va. Pas besoin. Ah, c'est les Aprintrini là. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, non? Oh, what the fuck. Qu'est-ce que tu voulais? Il n'y a rien ici. Voilà. C'est bon, tu m'as pas vu. Non, non, tu m'as pas vu.
Attrapé, vaincu, ok, utiliser tornade et surgissant d'un arbre. Personne en surgissant d'un arbre est constaté. Désolé, mais s'il te plaît, tu arrêtes de bouger. Thank you. Oui, bon, on est déjà à 20 minutes. Oh, les gens, ça passe trop vite. On va pas pouvoir y arriver. Thank you. Please, please. Oui. Une tâche supplémentaire. Ça ferait très Littorok. C'est bizarre, non? Honnêtement, j'ai pas confiance quand Breath of the Wild quand il y a un truc comme ça. C'est un rocher recouvert de mousse. Il est agréable au toucher. Non. J'allais dire peut-être il faut déterrer un truc au sommet, mais. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'honnêtement, c'est un très bon timing pour s'arrêter là. Je trouve ça bien. Voilà, on aura fait quand même pas mal de petites choses. Hein, écoutez, on continuera la fois prochaine parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. On est loin d'avoir fini. On est tellement loin d'avoir fini, je vous le dis. Donc, niveau de recherche, attrapez, allez, attrape-le. Et après, ça sera bon. Et du coup, bah, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode numéro 44 de notre aventure, du coup 100% sur Legend Pokémon Arceus. Et du coup, bah, dans l'épisode prochain, bah, on continue tout simplement. Oui, putain, 4 trucs en même temps. On continuera tout simplement avec encore des tâches. Hein. On en a déjà 40 à rapporter, donc à mon avis, on va bien pouvoir upgrade le Pokédex. Il me semble que 10 tâches, c'est. Il me semble qu'une tâche, c'est 10, il me semble. Et quand on a complété un truc, c'est 100. Donc là, on pourra du coup avoir 400 déjà points de façon facile. Après est-ce qu'on a fini certains trucs ici, je sais pas, mais en tout cas voilà, ça permettra de continuer. Et puis en fonction de ça, ben, on partira directement dans la prochaine zone, sachant que bon, certes on n'aura pas fait toutes les flammes étranges pour le moment, mais on les fera du coup le reste plus tard, hein. Mais voilà, donc écoutez, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode, et on se retrouve du coup ben, après demain pour l'épisode 45. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace. Et je vais peut-être me mettre en pause parce que là, ils voudront pas peut-être me. Ouais, ils se rapprochent dangereusement, donc voilà, on va se mettre en pause, donc, vous savez quoi? J'ai. Bien. Ok, bon bah j'ai fait la connerie. Je vais devoir vite partir alors que je voulais pas. En fait, pause de base, c'est plus dans pas mal de jeux, mais là non. Ça remplace le bouton start, enfin stop quoi. Oh bah. Parfait. Parfait. C'était pas volontaire, hein. Du coup. Il reste encore 11 flammes étranges à trouver dans cette zone. Allez, du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace!